Cette vidéo contient des scènes avec des gens qui ont bu de l'alcool à consommer avec modération ou à ne pas consommer si tu as moins de 18 ans. Demande l'accord à ton papa ou à ta maman, si tu es mineur, pour regarder cette vidéo. Tu vois, t'as vu. Demain à la même heure, il est à peu près 9h04, je serai en train de me préparer pour aller chez Panda. Là tout de suite, je suis en train de me préparer pour aller travailler. Je vais vivre cette dernière journée de travail de la semaine comme si c'était la dernière. Bon, allez, on s'active. Bon, ça va. Wouh ! Je suis à peu près sûre que ça vous a passionné de me voir me laver les dents en éteignant la radio. Donc, je disais, samedi va pas faire beau, mais par contre, comme on sera en train de boire, on s'en fout, voilà. Mais dimanche, oui, je m'essuie. Voilà, je m'essuie parce que je me suis mis de l'eau partout. Mais dimanche, apparemment, il fait beau. Alors, il est dans le noir. On est dans le noir. Je coupe. Bon, voilà, du coup, on va faire la fête samedi et dimanche, on va faire des trucs ensemble. Voilà. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais partir bosser. Et puis, si j'ai des trucs à vous raconter dans la journée, je me refilme. Si j'ai rien à vous dire, bah, demain dans le train. Ou peut-être ce soir, pendant que je ferai ma valise, parce qu'il risque d'y avoir des trucs marrants. Ouais. Vous savez ce qu'il y a de bien dans mon boulot? Le free wifi au taf. Free wifi. Je crois que je baille qu'à cause de ça. Tes bras d'homme tatoué à la distillerie parce que. On va picoler. Ce tram est moche. Non, je le filme. Voilà, à Montpellier, il y a des trompe-l'œil aussi. Ils sont plus beaux qu'à Paris. Et ça, c'est la même chose, mais sans trompe-l'œil. Le mec qui croit tout le temps que je fais des photos. Du direct différé ? Direct différé. La concentration. C'est pas forcément chiant, mais par définition, le direct est différé, puisqu'il y a une, micro, il y a une seconde de décalage entre le direct et la télé. Miss casse-couille. C'est pas une photo. Ils font des petites photos entre amoureux et tout. Ils sont contents. C'est Maxime de Caser. Alors là c'est quand on a bu, là c'est quand on a commandé à manger, là c'est quand on a mangé, là c'est quand on a rebu, là c'est quand on a re-re-bu. J'ai perdu le fil. Merci de ne pas sortir de tabouret. Ne sors pas de tabouret. Les tabourets. Les tabourets. J'ai prêté un pins à Paka. Du coup, il danse un peu, mais je crois qu'il danse parce qu'il a reçu des vidéos. Et Panda, il danse parce qu'il est bourré. Mais lui, il danse parce qu'il est content. Voilà. La prochaine fois que je le vois, il faut qu'il me rende mon pins. Adventure time. Arrête. Mais ça rentre trop bien ce machin. Et regardez si il regarde sur le téléphone de Non. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ils sont beaux les trams à Montpellier. Ils sont plus
Paris. Genre, il y a des sièges sympas et tout, et genre, c'est tout vert. Voilà. Baka, il est descendu, il nous a abandonnés. Du coup, je crois qu'on est un petit peu tous les deux dans le tram. Tu dis bonjour aux viewers. Bonjour les viewers. Vous êtes là? Allô? Attends, je te touche le nez, viewers. Chez Panda, il n'y a pas de sèche-cheveux, du coup. Je suis sur sa terrasse, en train de fumer une clope, en attendant que ma frange sèche. Je me pète les yeux aussi. Et là, bah lui, il est en train de faire caca. Classique. Classique. Voilà, Panda, ce qu'il fait quand tu es avec lui tout le week-end. Il regarde ses tweets, il regarde ses. Je regarde mes vidéos. Il regarde ses propres vidéos. Pendant qu'on attend nos pattes. Voilà. Dans une heure, je suis partie. Enfin, je suis partie, non, mais. Toi, tu seras partie. Il dure dur. Bon, ça y est. J'ai dû revoir à Panda. Il est parti travailler. Le week-end est fini. Les vacances sont finies. On va reprendre le travail. On va vous retrouver parce qu'il y a plein de choses à faire. Et comme mon train part dans 3 heures, bah c'est parti pour 3 heures de beach intensif dans la gare. Voilà, on va se faire plaisir. La gare de Montpellier. Waouh, waouh. Bon, j'ai réussi à trouver un coin à peu près tranquille. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de la suite. Alors au final, sur ce week-end, on avait prévu plein de choses qu'on n'a pas faites. Parce qu'on a passé plus de temps à picoler entre potes qu'à regarder des films ou aller à la plage ou... En fait, dans ce genre de week-end, tu prévois toujours un milliard de choses que tu n'as jamais le temps de faire. Mais non, franchement, c'était cool. C'était super cool, j'ai hâte de revenir. Je pense que la prochaine fois que je verrai Panda, c'est lui qui viendra sur Paris. Alors à tous ceux qui nous ont croisés ce week-end, la petite rousse, bah, c'était moi. Voilà, sinon, on a discuté un peu avec Panda de la suite... De ce qu'on allait faire, je suis désolée si vous entendez les travaux, c'est abominable. On va essayer d'avancer un peu Cube World. Et on avait parlé de peut-être faire un jeu avec Polly, mais c'est pas sûr. Je sais pas si elle est partante ou pas. Donc Polly, si tu nous regardes, la question se pose de savoir si t'es toujours OP pour faire un truc avec nous deux. Et après, le truc, c'est d'arriver à trouver un moment. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Donc, je suis désolée, ça a coupé au milieu de ma phrase. Donc, il faudrait qu'on arrive à trouver un moment où on est libre tous les trois. Et un jeu qu'on a envie de faire tous les trois. Alors, j'ai entendu Trine 2 dans une discussion. Ouais, oh là là. Je vois plus rien. Je vais mettre mes lunettes de soleil. Donc il y a eu Trine 2 d'évoquer. Ça pourrait être sympa de faire un truc sur Trine avec Polly et Panda. Après on va essayer d'avancer Cube World, voilà. Un peu pour les news. Sinon, j'ai pas envie de rentrer à Paris.